Bonjour les amis, avant que la vidéo ne commence, je préférais vous prévenir que cette vidéo a été montée, tournée et aurait dû à la base sortir en juillet 2019 lors du Parc à Thème On Tour entre les vidéos sur le Futuroscope et sur Holiday Park. Je n'ai jamais publié cette vidéo car la qualité sonore de celle-ci est très mauvaise du fait que nous avions perdu le micro au Futuroscope la veille. Lors du même parc à thème on tour, en plus des parcs que vous avez déjà pu voir sur la chaîne il y a 2 ans maintenant, nous avions fait deux parcs supplémentaires aux Pays-Bas, Toverland premièrement et ensuite Walibi Holland. Pour Toverland, ça ne pose pas vraiment de problème car j'y suis retourné cette année-ci en 2021 et vous avez pu voir la vidéo sur Toverland. Mais pour Walibi Holland, c'est un peu plus embêtant car je n'y suis jamais retourné et je ne pense pas y retourner tout de suite. Et alors vous me dites pourquoi je ne vais pas publier ces deux vidéos, car la qualité sonore de ces deux vidéos est encore pire que celle sur la vidéo que vous vous apprêtez à voir maintenant. On n'entend quasiment rien, et en plus les vidéos, même si la qualité sonore était bonne, pour moi ce sont des vidéos un peu ratées qui ont été faites plus à l'arrache. Peut-être qu'à force de faire une vidéo par jour pendant 15 jours, j'en avais marre, je ne sais pas. Mais en tout cas, vous ne verrez malheureusement jamais les vidéos sur Toverland et Walibi Holland en 2019. Et donc, pour ce qui est de Walibi Holland, je ne pense pas y retourner tout de suite. Du moins tant qu'il n'y aura pas une nouveauté suffisante pour moi y retourner, car c'est quand même assez loin de là où j'habite. En tout cas, j'espère que cette vidéo sur le zoo de la Flèche vous plaira. C'est loin d'être la plus réussie de la chaîne, mais ça fait toujours une de plus. Et après longtemps hésité, je la publie enfin. Bonne vidéo à tous. Bonjour les amis, bienvenue sur Parc à Thème. Le Parc à Thème On Tour continue avec le zoo de la Flèche, le fameux zoo qui passe tous les jours sur France 4. Nous, avant de remonter vers l'Allemagne et les Pays-Bas, nous avons fait un arrêt ici pour découvrir le fameux parc animalier, un des plus grands zoos de France. Le parc possède une grande variété de primates, comme des chimpanzés, des mandrills, des siamangs ou des saïnris, ainsi que d'autres variétés de primates. Ils sont globalement plus ou moins tous rassemblés au même endroit. C'est un peu regrettable que certaines de ces espèces, je pense notamment aux mandrills ou aux colobes, sont dans des cages, pas petites, des grandes cages, excusez-moi. Et non pas sur des îles et avoir plus d'espace naturel comme à Paradisea notamment. Nous venons de sortir du spectacle d'Otari du zoo de la Flèche. Donc c'est plus un spectacle moins de sauts et d'acrobatie, mais plus un spectacle de prévention et d'explication sur l'espèce. Il faut savoir que malgré leur apparence fort sympathique, il faut le dire, bien les otaries, elles restent avant tout des animaux sauvages, craintifs et donc potentiellement dangereux. Franchement, le spectacle est pas trop mal, un peu long par certains moments, mais voilà, c'est toujours sympa. Mais à votre avis, pourquoi je ne la caresse pas? Et je vous demande de ne surtout pas la caresser. Est-ce que vous avez une idée? Ah oui, par rapport à l'odeur. Aux odeurs. Bien, monsieur. Les animaux entre eux se reconnaissent à l'odeur. Même si on le prévient, trop de personnes continuent à les caresser. Et donc, certains individus ont pris l'odeur de l'homme et non plus l'odeur du groupe. Et donc, ont été rejetés. Quand je vous dis rejetés, c'est un makikata. Je vous demande de ne pas plus avancer, c'est bon ici. Quand je vous dis rejetés, c'est un lémurien contre 12. Malheureusement, nos victimes sont reconnaissables au fait que 3 lémuriens sur 13 des makikata n'ont plus de queue aujourd'hui. Oui. Eh oui, ils ne s'attaquent pas forcément à la queue entre eux, mais dès que la queue est touchée, comme elle s'infecte très vite, on préfère amputer
je vais voir si vous virez l'insecte. On préfère amputer plutôt que ça se répande au corps, mais ça peut être tout aussi humain. C'est pour ça, si vous voyez des personnes aussi qui les caressent, n'hésitez pas à leur glisser. C'est pas forcément la bonne chose à faire. Donc là, voilà, quand elle vient sur moi, on considère que c'est son choix déjà. Je ne l'ai pas forcée, je ne l'ai pas poussée, et c'est elle qui vient mettre son odeur sur moi. Après, je vous rassure, il a quand même un impact, mais il est beaucoup plus léger. Et ça permet aussi de la sociabiliser. Par exemple, si on aurait quelque chose de médical à faire où on devrait l'attraper, c'est beaucoup plus facile quand elle s'approche d'elle-même comme ça. Donc ça, c'est notre seule femelle de l'île. On a une femelle et 19 mâles. Ne faites pas les gros yeux, ne vous inquiétez pas, c'est une espèce différente du reste du groupe. Donc espèce différente dit pas de descendance possible. Et ne pas oublier que la plupart de nos animaux sont implantés, donc il n'y a pas de chaleur, donc pas de comportement de reproduction observé. Donc elle est tranquille, je vous assure qu'elle fait la loi. Ici ce sont les varis, donc c'est un peu plus gros qui font la loi. Mais elle, c'est la seule capable de repousser les varis. Je vous assure que c'est une femelle, mais elle a bien son caractère. Brésil, notre femelle macaco. À savoir que chez les macacos, les femelles seront toujours beige-marron et les mâles seront toujours noirs. Vous retrouverez un couple de macacos près des girafes sur une île avec son bébé autour du ventre. Faut bien regarder notre femelle macaco sur cette île parce qu'elle a un bébé tout noir entré autour du ventre. À savoir que du coup les femelles sont toujours beige ou marron, mais les bébés naissent tous noirs à la naissance et au bout de 2-3 semaines, ils vont changer de couleur. Mais des fois on se trompe un peu puisque notre bébé qui est né il n'y a pas longtemps, on pensait que c'était une femelle puisqu'elle avait des petites taches blanches qui commençaient à arriver. Comme ça a été dit maintes et maintes fois dans l'émission Une saison aux eaux sur France 4, ce n'est pas du tout les enclos qui ont des rubalises autour des limites ne sont pas du tout en travaux, mais en fait c'est pour prévenir les nouveaux animaux qui sont arrivés dans l'enclos il y a peu des barrières électriques pour éviter qu'ils ne se les prennent tout le temps. Dernière extension et dernière zone du parc à ce jour, la plaine asiatique a abrite près de 10 nouvelles espèces, comme par exemple des rhinocéros indiens, des loris arc-en-ciel ou encore des loutres à pelagis. Le parc possède une grande collection de félins, avec comme par exemple ici derrière moi les cervales. Ils ont également des lions blancs, des tigres de Sumatra, ainsi que beaucoup d'autres espèces de félins. Malheureusement, une grande partie d'entre eux, nous n'avons pas pu les voir car la majorité des enclos de ce parc sont très boisés, avec beaucoup de feuilles, et les félins ils aiment bien se cacher dedans. Enfin, malheureusement, une grande partie, vous n'aurez pas d'image de nous en tout cas, car malheureusement on n'a pas pu les voir. C'est devant Boubou et Button, les éléphants d'Afrique du parc, que je vais vous parler du troisième type de mammifère le plus présent dans le parc, les grands herbivores. Le parc compte notamment les éléphants d'Afrique ici présents, les rhinocéros indiens dans la nouvelle partie, ainsi qu'également les hippopotames nains, ainsi que plein d'autres espèces. Et ils ont eu il n'y a pas longtemps un bébé hippopotame, grand hippopotame, qui s'appelle Kiboko et qu'on a vu tout à l'heure en vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo sur le zoo de la Flèche. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc le zoo de la Flèche est un super parc zoologique très ombragé. Il fait frais,
Les décorations bien que simples sont très agréables. Le fait d'avoir on se croirait presque dans la nature, donc il y a des petits chemins, beaucoup d'arbres, du bois. Il n'y a pas d'espace vide, quasi pas. Il y a des enclos à chaque recoin du parc. Bon, après, il y a quelques petits faits un peu regrettables, comme par exemple le fait que certaines espèces sont encore dans des cages. Mais bon, globalement, c'est un bon parc où il y a des chouettes de spectacles comme le spectacle des otaries ou le spectacle des oiseaux que nous n'avons malheureusement pas eu le temps de faire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas, comme d'habitude, à liker, à vous abonner, à me dire ce que vous pensez du zoo de la Flèche et de l'émission Une saison au zoo dans les commentaires. En tout cas, moi, je vous dis à la prochaine pour un nouveau Parc à Thème Home Tour. Au revoir.